Ok, bonsoir, bonjour Ultima, nous sommes dans cette vidéo de Pikmin 2 où nous allons aller dans la grotte des héros. Grotte qui va être apparemment remplie d'insectes. Traduction, je vais beaucoup aimer ce niveau. Sentez l'ironie dans ma voix. Parce que j'adore les insectes. Ah, j'adore les insectes. J'adore les insectes. Je déteste les insectes, je les déteste, j'aime pas les insectes, j'ai jamais aimé les insectes. Help, s'il vous plaît, pourquoi vous m'avez fait face à Nintendo? Non. Pensez aux arachnophobes. Les araignées, c'est pas des insectes, c'est des arachs... Ouais, non, c'est des insectes, c'est des insectes. T'as déjà senti un insecte? Pas moi non plus, bah voilà, c'est pareil. Bon. Occupons-nous de toi. Ah d'accord, tu n'as même pas été fichu de sauter sur ça. Magnifique tête, je suppose. Il y en a déjà qui ont perdu des... Mais pourtant, je les avais déjà. Je vais pas poser de questions. Surtout pas avec les Pikmin. Oula. Tu crois que j'ai pas vu ton coup fourré, Steven? C'est le seul objet, là-bas. Je veux dire... Attends, il y a un ennemi qui s'est barré, là, au loin. Est-ce que c'est un ennemi? Je ne sais pas. Alors, je viens quand même de m'effrayer en voyant Bulborb. Hein. Toutes mes félicitations. Oula! Oula! Mince! Je crois que j'ai un... Je crois que j'ai envoyé ce Pikmin un petit peu trop loin sans faire exprès. Quoi? C'était tout? Genre, il y avait juste cet item. D'accord. Bon, alors, je vais tenter quelque chose et on va prier pour que ça fonctionne. J'avais vu des personnes le faire sur YouTube. Du coup, c'est à cause de ça que j'ai commencé à avoir des doutes. Non, parce que là, on peut pas le récupérer. Là. À moins de, couper la partie, de mettre des codes de triche pour essayer de le récupérer, mais là... Non, d'accord. Alors, je vais prier pour que ça fonctionne. Bon, alors, honnêtement, je vais pas récupérer les cadavres parce que flemme, hein, vraiment. Vous me comprendrez, j'espère. Mais arrête de t'exciter, toi. Moi aussi, je vais faire ça. Bon, alors, prions pour que ça fonctionne. J'espère que le dernier Pikmin va nous suivre. S'il y a 100, ça veut dire que c'est pas grave, on n'a pas besoin de les appeler. S'il y en a pas 100, ben tant pis. Est-ce qu'on est 100 ou 99? Ok, nous sommes 90... Nous sommes 100, d'accord. Le Pikmin en question est sauvé. Ce que je viens de faire, c'est très dangereux. Alors du coup, je suis allé juste chercher mon chargeur, mais j'ai même pas fait pause. Donc on peut dire que c'était un peu dangereux quand même, je suppose. Alors, par contre, quand même essayer de trouver ce que c'est cette chose qui commence à me... Oups. Qui me casse le capteur. Oula, 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 oula. Alors, est-ce que vous venez de voir la même chose que moi? Est-ce que je viens d'avoir... Est-ce que je ne viens pas d'avoir le meilleur RNG du monde? Je crois que si. Je crois que... je viens d'avoir le plus beau RNG du monde. Ok, alors je lui ai envoyé des Pikmin, il les a pris, d'accord. Par contre, j'aimerais savoir où il est ce fourbe là qui arrête pas de... Ah, il est là, d'accord. En plus, il est moche. Voilà. Fourbe. Il va falloir apprendre à utiliser les Pikmin. Mais non! Restez avec moi! Mais revenez! Je me sens insulté. Je me sens insulté là. Les Pikmin ne m'ont même pas respecté. Hein. C'est... J'aimerais un minimum de respect. S'il vous plaît. Vas-y, voilà.
Ah d'accord. Genre le gars il se prend pour je ne sais pas quelle référence j'allais sortir, mais bon c'est pas grave. Référence 80, numéro 93, on va l'appeler. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, meurs s'il te plaît. Mais... Bon, c'est bon, tu as fini. Voilà, c'est bon. Arrête de casser notre capteur, s'il te plaît. Merci. Et de me voler mes enfants. Oh non, mais voilà. Et... Nickel, c'est bon. Bon, au moins cette énergumène est morte, c'est bon. On va pouvoir un petit peu mieux savoir où se trouvent les trésors. Ouais. Alors étrangement, comme vous pouvez le voir, j'essaye de m'habituer un petit peu à utiliser tous les Pikmin en même temps plutôt que de faire un trajet un par un. Même si, en fait, là pour le coup, tant que j'y pense, je suis vraiment tenté d'essayer d'aller voir ce qui se passe dans les autres endroits. Du coup, là-dedans. Doit y avoir un Pikmin, des trucs cachés sous terre. Va y voir ici. On va y voir ce que ça cache. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Juste pour savoir si ça vaut le coup de se balader. Non, du coup ça ne vaut pas le coup d'aller se balader. Du coup on va juste prendre les Pikmin jaunes pour s'occuper de lui. D'accord, donc en fait j'ai failli me faire sniper par le truc là par contre. Oula! Voilà, c'est bon. Maintenant il est le petit gars là, on peut le laisser, hein. Il est inoffensif maintenant. On va pas cacher, on va pas déterrer le corps. Enfin si, là on déterre des corps mais quand même. Par contre, s'il commence à y avoir un seul trésor par truc, ça commence un petit peu à m'effrayer. Oh. Bon, on va quand même récupérer le corps hein, parce que voilà. Et on va récupérer lui parce que j'ai la lol. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'argument de récupérer pour récupérer ce corps. Voilà, récupérer celui-là avec. Et du coup, ce trésor, on dirait une sorte de pendentif ou quelque chose comme ça. Et c'est joli. Essence du grand amour. Oh. D'accord, donc c'était bien le dernier. Donc ça veut dire que toute cette zone là-bas ne sert absolument à rien. Voilà. Autant n'essayez pas de prendre de risques. Là, je joue vraiment la carte de la prudence de toute façon parce que c'est l'avant-dernière grotte du jeu. Hein. On est déjà presque à la fin, c'est difficile de se le dire. Je suppose. Bon, on va pouvoir descendre dans le sous-niveau suivant. Purée, 3 sous-niveaux en une seule vidéo, c'est un record hein. Enfin non, pas depuis le début du let's play quand même, mais voilà. Ok, donc, la grotte du héros sous-niveau 3. J'allais dire, j'ai peur de ce truc. En fait, le truc qui soit bleu, c'est juste que, en fait, enfin celui-là comparé à l'autre, c'est juste qu'il est plus fort et qui fait sur une plus grande superficie en fait. Enfin, sur une plus grande longueur quoi. Je ne sais pas à quoi ça va servir ça. N'allez pas me dire que la moto va réapparaître. Non, elle réapparaîtra pas. Elle réapparaîtra pas. Par contre, pourquoi? Pourquoi? Moi, pas comprendre. Je comprends pas pourquoi il y a tous ces trucs d'isolation là, par contre. Bon, ça va, cette grotte a l'air. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Après, je suis peut-être un peu parano. Hein. Par contre là c'est un petit peu du cheat hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser là pour le coup. Mais monsieur, vous êtes un petit peu. Non, je suis pas d'accord. On ne tire pas à travers le mur. Le mur il est censé.
Il est censé nous protéger le mur. Puis on a l'impression qu'il faisait une danse là. Faites danser les Pikmin. Notre nouvelle émission. Aïe aïe aïe. Toi on va te tuer en premier toi. C'est violent. Et en plus, voilà, c'est bon. Purée, mais par contre, Nintendo, si vous faites un remake de ce jeu, même si moi personnellement, j'ai ressorti mon Pikmin 3 entre temps. Et j'ai fait, mais purée, mais ce jeu est beaucoup comparé à Pikmin 2. Et au final, en fait, le truc c'est que. Bah oui, ok, le jeu est beau. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un Pikmin. Oula, on a jamais eu ça. Les Pikmin souffrent, appuyez sur lui pour utiliser votre sifflet. C'est pas comme s'ils souffraient tout le temps en fait. Et j'adore parce qu'ils font des cris différents quand. En fonction de la souffrance, c'est drôle. Genre ils font quand ils ont du feu, ils font blablabla quand ils font. C'est cruel ce que je suis en train de dire. Vous rendez pas compte à quel point c'est cruel. Tu sais, regardez, il souffre. Oula, oula. Ouais non, le kamikaze, tu restes là-dedans. Oula, oula, non. Allez, va-t'en. En plus, il nous poursuit ce fourbe. Ah non, mais ça s'appelle vraiment un kamikaze, ça. Je n'ai pas d'autre mot. Par contre, je rêve où la pièce, en fait. J'ai seulement remarqué que la pièce, c'est une pièce de Mario. Par contre, la grotte des héros, là, mais... on est au sous-niveau 3, j'ai encore aucun Pikmin qui tue. Hein. Bon, après, je dis ça, mais... Je vais sûrement souffrir... genre, avec une bombe qui tombe maintenant. Ou des cailloux qui tombent maintenant. Bon, on va s'occuper de toi parce que toi t'es pénible, je sais. Toi tu nous as attaqué, tu as tué certains de Pikmin. Non, bon, d'accord, on en a 100, mais faut pas le dire. L'objet il est si lourd que ça. Ah non, mais c'est vrai, c'est tous des feuilles. Je pense que ça va nous jouer. Ah d'accord, en fait il y en a. Je ne sais pas pourquoi il y en a que un seul, enfin que deux qu'ils ont essayé de porter. Bon, on va y voir. On avait une bleue, on a une jaune. Avec un peu de chance, on aura du rouge et ça ferait Sonic Hero dans la prochaine grotte. Donc, boule d'amour. Il y a beaucoup de choses d'amour dans votre grotte. C'est la grotte des héros ou de l'amour? Mais techniquement, c'est... Ça entre dans les deux causes. Oui. Exact. Bref, bon. Bah, c'est sur ce qu'on va se laisser. Alors, moi, je vous dis bye tout le monde et portez-vous mes petits humains.